Morgan, allez, Iden, les sur aujourd'hui, le Lonishmat, Michamichel ben Masouda, Nachman Yosef ben Nachum, Abraham, Nochay, Norber ben Fortuné, Mazel, Nov ben Yudit, Yakov, Nissim ben Hana, Roset, Zohar, Bat Sultana. Si vous souhaitez, vous aussi, l'idée d'une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Mila, Perek Dalet, Mishnah Vav, Haorla, Vekile, Akirem, et Mitztarfim, Zeimze, Rabbi Shimon Omer, en Mitztarfim, Abeged, Ve Asak, Asak, Ve Haor, Haor, Ve Amapatz. Mitztarfim zeim ze, Rabbi Shimon Omer, Mipenei Shehen Reuin Litame Moshav. Mishnah très simple à traduire, un peu plus dur à expliquer. On est tout d'abord, bien sûr, dans ce chapitre de Mila. On s'intéresse à savoir, lorsque la Torah elle a fixé une mesure requise dans un certain interdit, et que cet interdit inclut plusieurs espèces, est-ce que ces différentes espèces vont pouvoir s'associer pour compléter la mesure, d'accord? On a vu ça sous plusieurs formes, interdit de manger, avec un certain kazaït. Manger, ça implique manger du pain et manger des carottes. Est-ce que manger un peu de pain et un peu de carottes, ça va compléter les chiyours? Ouais, c'est un peu le principe. On a vu ce sujet maintenant de manière un peu plus raffinée et délicate, sur les interdits d'impureté, qui... Et on continue encore dans notre Mishnah, avec la dernière Mishnah du chapitre, qui va nous parler cette fois-ci de... Première partie de Orla et qu'il est à Kerem. Orla, lorsque l'on plante un arbre fruitier, pendant 3 ans, la Torah nous interdit de manger de ses fruits. Interdit de Orla. D'accord? Qu'il est à Kerem, c'est cette fois-ci un croisement, c'est-à-dire que dans entre une vigne et des légumineuses. Et par exemple, on avait dans la vigne, on a planté du blé, tout simplement. Alors là, on a transgressé l'interdit de Kil'aïm, et ce qui va pousser va être interdit à la consommation. Et la Mishnah maintenant m'enseigne comme ça. Sache que l'interdit de Orla, tu vas prendre un bout de pomme de Orla, et un peu de vin, de raisin de Orla, de Kil'aïm, ou de blé même de Kil'aïm, et tu vas les mélanger les deux en même temps, et bien sache que Mistarfim Zeimze, ils s'associent entre eux. Et je continue pour le moment encore quelques mots. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon me dit qu'il ne s'associe pas. Et la grande question est de savoir sur quel plan il s'associe, de quoi tu parles exactement. Le Bartanura propose 2 interprétations. Première interprétation, elle est très simple. Et en fait, première interprétation, on parle tout simplement, réellement, d'associer... D'abord, j'explique, il manque une petite donnée qu'on a déjà vue, en fait, dans une Mishnah plus haut, mais que deux... interdits distincts ne s'associent pas, en général. C'est-à-dire, c'est la Torah, on avait pris l'exemple de l'interdit de manger un animal qui n'a pas été abattu, l'interdit de Nevela, l'autochlocol Nevela. Et à part ça, il y a aussi l'interdit de manger du cochon. Si je prends un demi-zaït de cochon et un demi-zaït de Nevela, je les mélange et je les mange les deux. Je transgresse pas d'interdit de la Torah sur lequel je vais pouvoir me faire frapper. Pourquoi? Parce que c'est deux interdits distincts. De Shemot d'interdit. Mais Pnechen Shne Shemot, on avait vu notamment, je parlais de Mishnah Gimel, Mishnah Dalet, on avait vu plutôt. Non, Mishnah Dalet, je crois que c'était. Mais Pnechen Shne Shemot, on en avait parlé. D'accord? Donc, deux interdits distincts ne s'associent pas. Et là, la Mishnah me dit, tu sais, ben, Orla et la Kerem, ça s'associe. Et pourquoi? Quelle est la raison? Alors, sur ça, ben, mais d'abord, tout d'abord, Rabbi Shimon, il va me dire, eh, non, Mr. Fin, non, ça ne s'associe pas. C'est parfait. Le problème, c'est qu'il faut comprendre Tanakama. Alors, pour comprendre Tanakama, selon cette interprétation, il va falloir, dans le Tosot Yom Tov, il nous rapporte une interprétation qu'a Rabbi Meir qui pense que, outre l'interdit distinct sur chaque espèce interdite à la consommation, il y a un interdit global sur tous les interdits à la consommation qui va me dire l'otochlu kol to'eva. L'otochlu kol to'eva, tout ce qui est répugnant, abominable, vous ne le mangerez pas. Et là, la Torah inclut tous les interdits à la consommation en un seul interdit, pour te dire ce que sache que, tout d'abord, si tu vas manger un bout de Nevela et un petit peu de Orla, Kazaït, Kazaït, tu seras frappé 2 fois. Mais même au pire, la Orla, elle va même s'associer avec de la Nevela et avec du Kilakerem et avec du Khazir et avec du Gamal et du Chafan, est-ce que vous voulez? Parce qu'il y a un interdit global sur tous les interdits qu'on transgressera quoi qu'il arrive cet interdit, d'accord? Fin de la première interprétation. Deuxième interprétation, maintenant, on parle d'autre chose. Il n'est pas question de les associer pour transgresser, pour être frappé, parce que ça ne s'associe pas, c'est deux noms interdits. Mais la Torah est venue m'enseigner, entre parenthèses, excusez-moi, je reviens un petit peu pour soulever un problème dans la première interprétation.
Première interprétation, bon, alors on a expliqué que finalement ça se rapporte surtout les interdits de la Torah. Alors pourquoi la Mishnah n'a pris l'exemple que de Orla et Kila Kerem? Ouais, c'est un inconvénient un peu embêtant. Alors du coup, on a besoin de la deuxième interprétation qui va m'interpréter ça autrement, qui va me dire qu'on n'est plus en train de parler de se faire frapper, mais on est en train de parler de les associer pour interdire un autre plat. Et je m'explique, mais très brièvement, parce que là, sinon, on peut partir en 2 heures de shiur, mais très succinctement. En général, vous savez bien que la plupart des interdits à la consommation, s'ils se mélangent dans un autre plat et qu'ils se perdent dans le plat, il faut 60 contre eux pour les permettre. Un bout de nevela, un bout de chazir, gamal, du chameau, du cochon, de la nevela, un bout qui va se mélanger dans une casserole, où je peux plus maintenant le distinguer, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, parce qu'il a été moulu, ou bien parce que, peu importe. Eh bien, si à 60 fois le volume contre le volume d'interdit qui est tombé, il y a 60 fois le volume de permis, ça se perd et ça devient permis à la consommation. Données bien connues. Il y a quelques exceptions à la règle que il va falloir plus que 1 contre 60. Il va falloir parfois 1 contre 100, ça pourrait par rapport à la trauma. Et il va falloir aussi parfois 1 contre 200. Et c'est spécifiquement sur la Orla et qu'il est acquéré, mais c'est de ça que notre Michel est en train de nous parler. Et la Michel lui-même me dit, tu sais, s'il y a un bout de Orla et un bout de Kilakerem qui vont tomber dans un plat, eh bien, ça va interdire le... Ils vont s'associer ensemble pour interdire si toutefois il n'y a pas 200 contre les deux mélangés. Mais alors là, ça nous fait rentrer dans une complexité. Je vous le fais en... Je consacre une petite minute et je vous explique très rapidement. Vous avez compris, tant mieux, sinon on reste avec la première interprétation, c'est pas grave. Il y a le... Concrètement, on explique ça comme ça. De manière générale, lorsque... On a dit, j'ai pris un exemple, un bout de nevela qui va tomber dans un plat, et un bout de chazir qui va tomber dans un plat. On a dit qu'il faut 60 contre chacun. Qu'il faut 60 contre l'interdit pour le permettre. Maintenant, question. S'il y a 60, j'ai 60 bouts de viande cachère qui sont en train de cuire, et un bout de nevela qui va tomber dedans. Donc là, la nevela est permise. Après, j'ai un bout de chazir qui va tomber dans la casserole. Est-ce que je dirais, ah, deux minutes, là, il y a un problème, là. Il y a deux interdits, ça veut dire que tu peux utiliser tes 60 pour annuler le goût d'un interdit, mais pas le goût de l'autre. Eh bien, la réponse, elle est que ça s'annule malgré tout. Le mieux que ça, même s'il y avait 59 permis, et là, c'est la finesse, 59 bouts de permis, et les deux bouts qui vont tomber en même temps, je vais dire que contre chaque bout, il a 60. Vous vous rendez compte? On va se servir d'un interdit pour annuler l'autre interdit. Et c'est sur cette situation-là que notre Mishnah vient nous apprendre. Sache qu'en fait, le Orla et Kila Kerem, eux, ils vont s'associer ensemble pour interdire toute la casserole. Pour qu'il y ait 200 contre eux. Mais alors là, de nouveau, bon, pour le moment, c'est encore simple. Le problème, il est que on prouve que c'est pas encore juste, et qu'il va falloir expliquer comme ça, il rallonge pour expliquer, qu'on parle qu'en fait les deux se sont mélangés avant, et ils tombent dans la casserole ensemble. Parce que sinon, si c'était chacun indépendamment, eh bien, chacun va être annulé à tour de rôle. Et sur ça, Rabbi Shimon y discute, mais on arrête là, et on continue la suite de la Mishnah. A Beged, Ve'a Sak, Ve'a Oubien. On va parler maintenant des Ilchot de Touma Vetahara. On a Beged, Ve'a Sak. On va parler tout de suite, je vous dis, il y a quatre sortes de vêtements dans la Torah qui vont véhiculer l'impureté. Chacun, il aura des tailles différentes pour véhiculer l'impureté. Il y a un vêtement classique, c'est un tissu tout à fait normal. Ça s'appelle Beged. Un tissu classique qui a été avec, un vrai tissu avec une trame et un, j'ai oublié comment ça s'appelle, trame et... D'accord? Ça m'échappe, c'est pas grave. Trame et... C'est pas grave. D'accord, Shtiva arrive en hébreu. Tram et chaîne, voilà, ça m'est revenu. Alors il y a le. Donc il y a. Ça c'est un tissu classique. Il y a par ça le sac. Sac, c'est encore un habit tissu, tissé, mais cette fois-ci avec des poils d'animal. C'est beaucoup plus grossier, beaucoup moins raffiné. On fait en général on fait pas des habits de luxe avec ça. Il y a par ça Haor, c'est une peau en cuir. Et Mapatz. Alors Mapatz. C'est un aussi tissé, mais cette fois-ci avec, il rapporte, je ne sais pas c'est quoi, du harum mi gomme, gomme, best en allemand, en yiddish, je ne sais pas ce que c'est, comme autre espèce, mais j'imagine que c'est encore quelque chose. Vous savez, c'est comme un peu qu'on avait avant, on voyait encore des cordes avec des fils très épais, je ne sais pas si c'est avec des fils de lin, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme ça des qualités des sacs de pommes de terre de l'époque, avant qu'il y ait le plastique.
On avait aussi la même chose, c'était en général des sacs. Et c'était des fils beaucoup plus grossiers et moins pas raffinés, on pouvait pas faire de vêtements avec. C'était aussi des. Alors, comme ça, on a quatre sortes. Ok? Maintenant, notre Mishnah nous parle que, d'abord une petite introduction, lorsque on a un vêtement qui se déchire, il va me rester maintenant un bout de tissu. Est-ce que ce bout de tissu véhicule. Est-ce que ce bout de tissu, il peut encore véhiculer une impureté, devenir impur et puis ensuite rendre impur quelqu'un d'autre? Alors là, on va s'intéresser à savoir quelle est la taille qui s'est arrachée de ton vêtement. Un petit bout, ça s'annule, il n'y a plus d'intérêt. Mais un bout conséquent, tu peux encore le réutiliser pour le recycler. D'accord? C'est le principe général. Maintenant, vous imaginez bien que le recyclage, on ne va pas recycler tout avec la même intensité. Un vêtement de bonne qualité, on va plus le recycler qu'un vêtement de mauvaise qualité. De ce fait, chacun des quatre exemples qui ont été évoqués, baguette, sac, or et mapatz, chacun il a une quantité différente. Ça, je sais pas par où commencer, gars. Il y a beaucoup à dire, j'ai pas envie d'alourdir trop, mais je vous donne une halakha qui n'est pas exacte, mais dans certaines situations par rapport à ce qu'on appelle une Toumat Mishkav ou Moshav, alors ils ont des quantités, des tailles différentes requises. Quand il y a un bout qui va s'arracher. Un, ça va être 3 fois 3 tefar. D'accord, l'équivalent de 8 cm. Un c'est 3 fois 3, l'autre c'est 4 fois 4, l'autre c'est 5 fois 5 et l'autre c'est 6 fois 6. Ok? En deux mots maintenant, je vous explique vite fait. On est en train de parler spécialement par rapport à une impureté lorsque il y a un zav ou une nida qui va s'asseoir dessus. La nida elle véhicule différents niveaux d'impureté. Il y a une impureté lorsqu'elle touche des choses, mais il y a une impureté aussi lorsqu'elle s'assoit sur quelque chose sur lequel on est censé s'asseoir. Ça s'appelle tomate mishkav ou moshav. Si elle se couche sur quelque chose qui est censé être un vêtement sur lequel on se couche, ou si elle s'assoit sur un vêtement sur lequel on est censé s'asseoir, ouais, pour en faire une chaise par exemple. Si elle va s'asseoir sur un stylo, elle ne va pas véhiculer l'impureté de Moshav. Mais si par contre, elle va s'asseoir sur une sorte de coussin sur lequel on a l'habitude de s'asseoir, alors elle va véhiculer une impureté plus forte de Moshav. Ouais, je referme la parenthèse et je vous dis qu'en fait, on est en train de parler maintenant ici par rapport à la tomate Mishkav ou Moshav. Donc lorsqu'on a un bout d'un tissu qui va s'arracher, on va s'intéresser à la qualité du tissu. Si c'est un tissu, un vrai tissu normal, alors ça véhiculera l'impureté s'il y a 3 tfachim sur 3 tfachim, 3 sur 3. Et plus, bien évidemment. Moins, non, ça véhicule plus d'impureté, c'est un bout qui est plus assez important pour en faire un moshav, pour en faire un siège. Il y a le sac, c'est ce qui a été le vêtement qui est beaucoup plus. C'est comme le sac de pommes de terre de l'époque. Où c'était filé avec des poils d'animal, mais beaucoup plus grossiers. Alors là, il va falloir qu'il y ait un bout un plus important. Il faut 4 x 4. 4 x 4 sur 4 tefar sur 4 tefar. Pour une peau, du cuir, alors là, il faut un bout plus important. J'imagine, parce que sinon, ça ne s'allie pas avec d'autres vêtements. Donc, s'il est là, il est là. S'il n'est pas là, c'est. Donc, il faut qu'il y ait 5 x 5. Et ma patte, c'est la qualité la moins intéressante, qu'on recycle moins facilement. Alors là, il faut qu'il y ait 6 tefar sur 6 tefar. Et la question de la Mishnah, elle est de savoir maintenant. Imagine que tu as un bout de ta chemise qui s'arrache, un tefar sur un tefar. Avec, à part ça, un bout de cuir, du manteau en cuir, qui va s'arracher, qui va être cette fois-ci de... imaginez, 5 x 5 moins un carré de un tefar. Donc il n'a plus la quantité requise. Mais le problème, c'est qu'après, tu as les deux bouts qui sont là et puis tu colles l'un avec l'autre. Donc maintenant, tu as récupéré un bout de 6 sur 6. Alors là, on a récupéré finalement une sorte de vêtement qui a fait un bout. Imaginez, tu as un carré maintenant que ça va te faire 5 sur. L'équivalent de 6 sur 6, mais moins un carré que là-bas, ça a été remplacé avec un bout de tissu, en fait. Est-ce que ça s'associe? La Mishnah enseigne que ça s'associe. C'est le principe de la Mishnah. Elle m'apprend, sache que ça va s'associer. S'associer, même si c'est des qualités différentes qui ont des quantité requise différente, d'où le problème, entre parenthèses, mais en tout cas, ça s'associe. On fait ça d'abord dans les mots, et puis après on explique la raison pourquoi ça s'associe, ça contredit une règle qu'on a vue, la règle de Rabbi Yoshua, qu'on avait vue dans la Mishnah en haut, dans la Mishnah Gimel. Mais pour le moment, d'abord on traduit. La Mishnah enseigne, sache que Abeget Vasak, le vêtement est ce tissu qui a été fait avec des poils d'animaux. Qu'on traduit le sac de pommes de terre, je ne sais pas si c'est le même nom ou pas, mais en tout cas, ça se traduit avec sac. À sac vea or, ou encore ce tissu-là de très mauvaise qualité, donc, avec une peau en cuir, à or, de la peau. Ou encore à or vea mapatz. La qualité donc, du,
la peau en cuir avec le MAPAT, qui est cette qualité-là de gomme. Je ne sais pas ce que c'est des vêtements en gomme. Eh bien, la mise en scène, sache que Mitzta, Imze, ils vont s'associer ensemble pour véhiculer l'impureté, pour devenir impur, et ensuite transmettre l'impureté à quelqu'un d'autre. C'est toujours, on prendra toujours la quantité requise par le plus, celui qui demande une quantité plus grande, et le petit, et l'autre pourra le compléter cette quantité. Ouais, c'est-à-dire, je m'explique. On va prendre les deux extrêmes, comme ça on va se comprendre. Non, on va parler du cuir et du tissu normal. Comme ça, on a une langue qu'on sait traduire et expliquer. Tissu, on a dit c'est 3 sur 3, et l'autre c'est 5 sur 5. Imaginez maintenant qu'on va voir. Alors, imaginez qu'on a un bout de tissu où il y avait 3 sur 3, mais qu'il lui manque un bout. J'ai pris le mauvais exemple. Je commence par le deuxième, ce sera plus facile. On a d'abord un bout de peau qui était 5 sur 5. 5 sur 5. Le problème, c'est qu'il y a un bout qui s'est arraché de ce petit bout de 5 sur 5, et qu'on a ensuite collé un bout de tissu pour compléter ce bout. La méchante enchaîne, sache que ça va s'associer. Puisque maintenant, tu as récupéré finalement un vêtement qui a l'équivalent de 5 sur 5 avec du cuir. Par contre, le cas inverse, si c'était du 3 sur 3 de tissu, et il lui manque un petit coin de 1 sur 1, ou bien une bande même de 1 sur 3, tu vas prendre un bout de cuir pour compléter ça, alors là, ça va plus s'associer. Parce qu'on s'associe toujours, on s'associe toujours avec la. On va s'associer pour créer le vêtement de niveau le plus inférieur, mais pas le niveau supérieur. C'est-à-dire, ça dépend comment on regarde inférieur ou supérieur, mais en tout cas, tu vas pouvoir. C'est-à-dire, si tu avais un des deux tissus qu'il fallait une grosse quantité, il lui manque un bout, le tissu qui requiert une quantité plus restreinte, plus petite même, lui il va pouvoir compléter le grand, mais le grand il ne va pas pouvoir compléter le petit. Ouais, on va toujours aller la coula en fait, on va être plus permissif. Voilà la Mishnah. Maintenant, il y a un problème. Ça contredit une règle que l'on a appris en haut dans la Mishnah Gimel. Rabbi Yoshua, il nous avait enseigné que des impuretés qui n'ont pas la même quantité requise ne peuvent pas s'associer. Vous vous rappelez, c'est la règle. Amar Rabbi Yoshua, kol shetumato veshiuro shavin mitztarfim. Mais si on a tumato velo shiuro, ou bien shiuro velo tumato, lo tumato velo shiuro en mitztarfim. S'il y a, certes, un même niveau de tuma, mais pas la même quantité requise. On a vu l'exemple avec un mort où on voulait associer un bout de viande avec un bout de chair du mort, avec un bout d'os du mort, ça ne s'associe pas parce que ce n'est pas la même quantité requise. Alors là, ça se contredit, tu m'as dit que chacun il a une quantité différente, une mesure requise différente, et pourtant il s'associe. C'est sur ça que Rabbi Shimon, il continue la Mishnah, il me dit oui, sache que c'est comme ça. Rabbi Shimon Omer, sache que ça s'associe, pourquoi? Parce qu'ils sont aptes à s'associer pour devenir impurs pour faire un moshav. On ne comprend rien à la phrase de la Mishnah en elle-même. Il y a plusieurs interprétations qui ont été données. Je rapporte les deux essentielles rapportées dans le Sotium Tov. Je rapporte que la deuxième, d'accord? Comme ça, le cours est déjà assez long. C'est que, en fait, c'est vrai qu'on a dit qu'il y avait une quantité, une mesure requise quand c'est un bout qui va s'arracher. C'est vrai. Mais si toutefois tu vas découper proprement les choses parce que tu veux a priori faire des choses même de un seul tefar sur un tefar, ça suffit déjà pour réguler l'impureté. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on t'a donné des mesures différentes pour l'impureté, c'est que lorsque ça s'est arraché malgré toi. Mais si tu étais venu découper a priori pour avoir cette petite mesure de un tefar, à partir de un tefar sur un tefar, tous vont tous véhiculer l'impureté. De ce fait, puisque dans certaines configurations, ces qualités-là de vêtements vont s'associer, ont la même mesure, même si dans d'autres configurations ils n'ont pas la même mesure, mais puisque dans certaines configurations ils ont la même mesure, eh bien ils vont, ça s'appelle qu'ils ont la même quantité requise, et de ce fait ils s'associent. J'espère que ça a été assez clair. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.